Le contact intime à travers toute une série de pratiques, notamment jeûner pendant le mois de Ramadan, qui nous a permis de nous rapprocher de Dieu. Mais on ne peut pas se rapprocher de Dieu sans se rapprocher des créatures de Dieu. Qui de nous n'est pas satisfait d'avoir pu jeûner pendant un mois dans des conditions difficiles? Qui de nous n'a pas pu dire « Alhamdoulilah » de m'avoir donné la force physique, psychologique, spirituel pour accomplir le jeûne pendant le mois de Ramadan, d'avoir essayé d'atteindre la perfection. On ne peut pas être considéré aux yeux de Dieu comme des musulmans reconnaissants si on ne remercie pas tous ceux qui nous ont aidés à jeûner. Et ils sont nombreux. La première personne qui nous a facilité pour l'accomplissement de ce jeûne durant tout le mois, sans faire défaut, sans être absent, sans se plaindre, sans faire d'arrêt maladie ou d'accident de travail, c'est l'épouse. L'épouse musulmane. Une épouse qu'il faut mettre en avant, qu'il faut remercier. Qui d'entre nous n'est pas satisfait de sa femme? Vous vous rendez compte? Tous les soirs en rentrant chez vous, à l'heure du ftour, à 22h, on rentre et on trouve une table servie. Ça a pris du temps, beaucoup d'attention. Le repas est fait avec amour, beaucoup de plaisir. Nous avons été nourris, parfois même chouchoutés. Malheureusement, certains ont été avares de compliments. Pourquoi? Parce que la routine tue. On finit par croire que c'est normal, que c'est naturel. L'être humain, par nature, s'attache à celui qui est généreux. Et nos femmes sont généreuses. Et elle nous demande d'être généreux. Et vous savez c'est quoi cette générosité que réclament nos femmes? C'est simplement de la reconnaissance et des compliments. Celui qui n'est pas reconnaissant et qui ne sait pas faire de compliments est un avare. Et Dieu n'aime pas ceux qui sont avares. Et l'avare est loin de Dieu, loin du paradis et proche de l'enfer. Imaginez-vous qu'une fois, une seule fois, vous rentrez à l'heure du ftour chez vous, à 22h après une longue journée de travail. Rien n'est préparé, rien sur la table, rien dans le frigo. Une seule fois, imaginez-vous, dans quel état vous seriez. Alors c'est l'occasion d'être reconnaissant. Qu'Allah bénisse nos épouses et qu'il leur donne la patience et la force de nous supporter avec notre ingratitude. Et que Dieu fasse que l'on soit des maris exemplaires. Salat al-Eid à la mosquée al-Fatah. Et Alhamdoulilah, on a réussi à s'en sortir. On attendait 2000 à 3000 personnes. On a limité les dégâts, on était obligé de prier un petit peu dans la rue. On a essayé d'assurer une sécurité quand même. Et Alhamdoulilah, voilà, ça se termine bien, tout finit bien. Et Inch'Allah, l'année prochaine, on pourra prier Inch'Allah sur la première dalle de béton à la grande mosquée d'Amiens, Inch'Allah. Je demande à Dieu la paix pour la communauté musulmane, Inch'Allah, et pour le pays dont nous vivons, Inch'Allah. Et que tous les musulmans suivent le bon chemin, le droit chemin, Inch'Allah. Qu'Allah yibarak fina jami'an, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum, sahaïdkoum, taqbalmina wa minkoum, Inch'Allah. J'espère du bonheur dans toute la famille, dans toutes les familles, Inch'Allah. Et
j'espère surtout la paix en France, et surtout entre la communauté musulmane, chrétienne et juive, Inch'Allah. Alors mes voeux pour les musulmans de France, c'est de continuer l'année prochaine à l'Aïd, s'aider entre frères, et que la paix soit dans le monde. Et que Dieu nous protège, nous réalise tous nos meilleurs souhaits. À nouveau, je renouvelle en ce jour béni de l'Aïd el-Fitr, la santé, la prospérité, le bonheur pour tout un chacun et tout un chacune. Je souhaite donc une bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans, où qu'ils soient, les jeunes, les anciens. Et je souhaite donc que cette année soit donc une bonne année de santé et de paix, surtout la paix, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous devons être partie prenante, nous devons être des gens qui participons à la vie active de la société française. Nous ne devons pas rester à l'écart, nous devons être des acteurs de la société. Nous devons être nous-mêmes avec tout ce qui nous compose. Montrer notre sagesse, montrer notre tolérance, montrer notre force d'être des gens qui respectent les autres. Le respect. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.